Suite à la cérémonie d'élimination, Marvin a décidé de quitter l'aventure, réagit et traite certains candidats de bande d'hypocrites. Hier, dans l'épisode des Marseillais versus le reste du monde, et pour la deuxième fois, les Marseillais ont gagné, et l'équipe du reste du monde devrait éliminer un candidat. Marvin a pris les devants et a décidé de quitter lui-même l'aventure avant le vote. Le candidat s'est senti trahi et a taclé Mila Jasmine et Nicolas de vouloir l'éliminer. Suite à l'épisode, Marvin a débriefé brièvement ce passage en traitant les candidats de bande d'hypocrites et balance les réactions de certains dans les coulisses. Je vous laisse avec sa story, de qui parle-t-il? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, belle bande d'hypocrites, frère. Ils étaient tous là à dire oui. Marvin, on va voter pour toi. Et après, je sors et ils disent finalement, on n'allait pas mettre ton nom et tout. Sportivement, c'était vraiment bête de faire ça. Mais il y a deux secondes, tu disais, t'allais voter pour moi, cousine. Darkrouz. Voilà. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais fous de ma gueule, frère. Bref, en tout cas. J'en ai croisé des hypocrites dans ma vie, mais pas autant que dans les Marseillais. La vie de ma mère, c'est trop, frère. La télé-réalité en général, c'est un monde d'hypocrites. Et je vous jure, la tête de Wam. Je suis sorti de Love Island. Déjà, il y en a, ils me disaient, oui, Marvin, on t'entend trop et tu feras pas de programme. Ah, chez vous, déjà, premièrement. Deuxièmement, des gens qui m'ont unfollow, qui étaient là, qui me disaient, oui, qui me donnaient des conseils. Et qui aujourd'hui sont sur la touche. Après, je dis pas que je vais avoir une carrière dans la télé, je sais même pas mon objectif déjà de base. Donc, je m'en fous, moi, qu'on m'appelle ou qu'on m'appelle pas demain, ça changera rien à ma vie, je vous le dis. Mais voilà quoi. Au bout d'un moment, des hypocrites, frère, ils sont là, tu les croises, ils te prennent en story et tout, alors qu'ils t'ont unfollow genre 2 jours avant. Je comprends pas, frère, je ne comprends pas.